Avec ce Get Unready With Me, je viens aujourd'hui vous détailler vraiment tous mes chouchous et vraiment ma méthodologie pour me démaquiller, n'est-ce pas? Donc vous le savez, je mets un point d'honneur à me démaquiller très méticuleusement tous les jours, tous les jours, tous les jours où je porte du make-up en tous les cas. Donc les filles, franchement, c'est une étape, vous l'avez, c'est quelque chose que vous entendez, on vous rabâche les oreilles avec ça. N'allez jamais vous coucher avec votre make-up, c'est tellement important. Les filles, c'est tellement important pour de multiples considérations, mais franchement, même si c'est une lingette en souffrance au bout du lit, les filles, franchement, quel que soit votre niveau de fatigue, ne faites jamais l'impasse sur votre démaquillage. Il n'y a rien de pire pour boucher les pores, provoquer des boutons. Non, moi je ne peux pas. Déjà, je pourrais pas m'endormir en sachant que je suis maquillée. Donc même pour les yeux, au niveau ophtalmologique, c'est pas très bon. Parce que le maquillage a fait... Les filles, vraiment démaquillez-vous. Donc je viens aujourd'hui vous parler de mes produits de prédilection pour ma méthode de démaquillage de prédilection, qui est donc le démaquillage à l'huile. Donc j'ai devant moi, franchement, un très bel arsenal. C'est la quasi-totalité des produits que j'utilise. Il y en a 2-3 que je viens de découvrir, donc je ne les ai pas intégrés dans cette vidéo. Mais là, ce sont vraiment mes produits. Certains que j'utilise depuis très très longtemps, d'autres qui ont rejoint les rangs récemment, mais franchement qui sont là dans mon top, pas 10 parce qu'on est à plus que 10, mais qui sont dans mon top. Donc une fois de plus, je me répète, je n'utilise pas tous ces produits en même temps. Hein, je fais ici référence à cette question que vous êtes nombreux à me poser. Je viens vous montrer ce que j'utilise de manière générale. Ils sont dans ma salle de bain et en fonction de mon humeur, de l'état de ma peau, du make-up que j'ai posé, est-ce que j'ai un mascara waterproof ou non? Est-ce que j'ai une belle lèvre intense ou non? Enfin voilà, mon démaquillant varie en fonction des circonstances quotidiennes. Donc je viens vous présenter tout ce que j'utilise. Le dénominateur commun, c'est qu'il s'agit dans tous les cas de se démaquiller à l'huile. Donc je commence tout de suite avec les baumes démaquillants. Et je terminerai avec les huiles. Donc les baumes démaquillants, franchement, j'en ai plusieurs devant moi. C'est franchement pour moi le pompon du top. Le premier est un produit très 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 connu de chez Clinique qui s'appelle donc Take the Day Off. Ici, c'est un... Donc je vous l'ouvre pour vous le montrer, mais c'est un baume, comme vous le voyez. J'espère que vous parvenez à le distinguer. C'est un baume dont je prélève une généreuse quantité. J'ai une petite spatule en plastique dans ma salle de bain. Je ne me sers jamais de mes doigts. Je prélève une petite dose, je le fonds très superficiellement sur le bout des doigts et j'y vais sur tout le visage. L'huile majoritairement présente dans ce produit, c'est l'huile de cartame. Autant vous dire, donc il s'appelle Take the Day Off et c'est exactement ce qu'il fait. Quel que soit le make-up que vous avez sur le visage, tout disparaît. Tout disparaît, c'est très, très agréable à utiliser. Ça fond vraiment, ça devient une huile au contact de la chaleur de la peau, n'est-ce pas? Ça devient vraiment une huile et j'y vais tranquillement, en mouvement circulaire. Je passe doucement sur les yeux, il n'est absolument pas besoin de s'arracher la moitié des cils, n'est-ce pas? Je passe dans mes sourcils, je fais ma lèvre en tout dernier parce que généralement j'en ai vraiment partout. Mais vous allez voir là à un moment donné dans la vidéo comment est-ce que je procède, mais j'y vais très naturellement. Donc, normalement, il est question d'humecter son visage avec de l'eau pour que l'huile et l'eau s'émulsionnent, ça forme une espèce de lait qui est beaucoup plus facile à rincer, et voilà, on rince jusqu'à temps que l'eau soit parfaitement claire et le visage est parfaitement démaquillé. Ce que moi je fais la plupart du temps, et vous le voyez dans cette démonstration que je vous montre là tout de suite à l'écran, une fois que j'ai bien massé mon huile, que tout s'est bien dissous, j'insiste vraiment sur les cils dans les circonstances dans lesquelles je porte du mascara waterproof de surcroît, quand j'ai fait un beau make-up smoky sur les yeux de surcroît, j'insiste, je fais vraiment les périmètres de mon visage. Une fois que c'est fait, j'attrape une de mes mousselines, un de mes tissus. Donc là, en l'espèce, j'utilise les gloves. Je vous les ai présentés récemment dans une vidéo. Les gloves qui sont extraordinaires. Donc celui que vous voyez, c'est le glove 4 corners. Donc il est vraiment génial, vous me voyez m'en servir. Donc avec un angle, j'insiste sur les yeux. Avec un autre angle, j'insiste sur la bouche. Et alors je change d'angle, je fais le teint. Et avec le dernier angle, je repasse un coup sur l'ensemble, la totalité de mon visage. Donc mon glove que vous voyez là, je l'ai humidifié avec de l'eau tiède. Bon, moi il m'arrive de faire de l'eau tiède, plus chaude que tiède, mais tiède. Et voilà, je les sors et je passe sur le visage. Donc ce sont des microfibres. Les filles, la douceur, je vous ai présenté ce produit alors que je l'avais reçu dans une box, me semble-t-il, je ne sais plus. Je suis tombée complètement amoureuse de ce produit. Donc il y a le glove 4 corners
Il y a le glove on the go, où c'est juste, voilà, les quatre doigts de la main. J'adore. Il y a le glove unidigital, pour mettre juste un doigt dedans, pour se démaquiller. Et il y a plein d'autres produits. Il y a le bandeau que vous me voyez porter dans cette vidéo, donc qui est ce bandeau-là, qui est le bandeau en oreille de lapin, qui se présente comme ceci au départ, et puis voilà, vous l'attachez en fonction de la forme de votre tête. Les filles, ces produits sont géniaux. Et alors, le truc qui est fou, c'est que Glove, la marque, a vu ma vidéo, dis donc. Ils ont vu ma vidéo et ils nous offrent très gentiment un code de moins 20% sur la totalité des produits de leur site. Donc le code c'est Sabrina, tout simplement, je vous le mets juste ici en bas de l'écran. Attention sur la durée de validité, ils sont sympas mais il ne faut pas non plus exagérer. Ils nous ont limité la durée de vie de ce code. Mais franchement les filles, profitez-en. Donc au départ ils sont pas très très chers. Mais alors là, avec les moins 20%, c'est vraiment génial. Et alors lui là, c'est mon préféré. Il y a le petit truc qui va bien pour le mettre à sécher, pour le réutiliser le lendemain. Une fois que c'est fait, il suffit de rincer, de rincer à grande eau. Tous les résidus de maquillage disparaissent. Et franchement, c'est réutilisable à volonté. Je le mets dans ma machine quand vraiment il y a vraiment du maquillage qui ne veut plus partir. Mais ils sont vraiment super les filles. Il faut que vous le touchiez pour vous rendre compte à quel point... Bon, je vous fais pas le téléachat, mais ils sont vraiment top. Ils sont vraiment top. Donc, j'utilise indifféremment... Je vais faire toutes les mousselines que j'utilise. Au début, j'utilisais des serviettes pour le visage, vous savez, les petites serviettes, ou alors les serviettes de courtoisie pour se laver les mains, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure des nettoyages en machine, des lavages en machine, elles deviennent plus ou moins rêches, même si je mets de l'assouplissant, etc. Mais... Donc je me suis un tout petit peu éloignée de ces face cloth pour me concentrer vraiment sur les produits spécifiquement designés pour. Donc les gloves sont super, ce produit qui est extraordinaire que vous connaissez, j'espère que vous le connaissez. Donc la boîte est dans un état, j'ai essayé de récupérer la boîte pour vous, mais c'est le Wonder Cloth. C'est un produit que l'on peut trouver sur Amazon. Ce produit est génial, voici la lingette en question. Elle est vraiment géniale, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. La particularité de ce produit, c'est qu'il est extrêmement conseillé pour nettoyer les bébés. Pour le bain des bébés, il est tellement doux. Et l'autre particularité de ce produit, c'est que, à la différence de mes autres produits, quel que soit le maquillage que vous démaquillez avec ça, quel que soit vraiment les produits que vous ayez eu sur le visage, il ne marque pas. Il suffit de le rincer et il devient à l'eau, avec aucun produit, aucun savon. Et il redevient extrêmement blanc. Et il est super doux. Ce produit est vraiment, vraiment génial. Vraiment génial. Et un autre produit, là j'ai sorti un tout neuf pour ne pas vous faire l'affront de vous montrer l'autre, parce que franchement je l'utilise tellement. Quand il y en a un qui est au sale, j'utilise les autres, n'est-ce pas? Donc je l'utilise tellement qu'il était dans un état qui n'était pas présentable. Je vous ai sorti un kit tout neuf. J'ai toujours du backup de ce produit. Donc c'est un produit 100% français qui s'appelle Kit Layering. Donc moi quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pour Bibi, tu vois. Donc collection Ecobelle, les tendances d'Emma, c'est la marque. Donc fabriqué en France, c'est indiqué sur le packaging. Et alors, le kit tout en un pour votre rituel layering. Il contient donc une serviette layering en bambou, que voici. Et elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Donc les deux côtés de la serviette sont différents. Un côté un peu plus, pas exfoliant, parce qu'il n'est pas question d'exfolier avec une serviette, mais un tout petit peu plus exfoliant. Et l'autre côté est vraiment strictement doux et lisse et doudou. Ensuite, on a dans le même kit 4 gants de layering en eucalyptus. Donc la serviette, c'était du bambou, fibre naturelle. Là, c'est de l'eucalyptus. Les filles, je ne sais pas comment vous décrire. Il ressemble beaucoup au On The Go de Glove, mais la douceur... Je sais pas comment vous expliquer, c'est donc là pareil, il y a un côté très lisse et un côté un petit peu exfoliant. Je dis exfoliant, mais c'est parce que je sais pas comment le décrire autrement. C'est pas vraiment exfoliant, les filles. Mais quand vous allez passer voilà un mouvement circulaire comme ça, un swipe, pour retirer votre huile démaquillante, ça va en même temps enlever vraiment les peaux mortes qui stagnent à la surface de la peau éventuellement. Donc d'un côté c'est hyper doux et le côté doudou, c'est je sais pas comment vous décrire, on dirait les doudous pour les bébés ou les polaires, c'est très très doux. Donc voilà, il y en a 4 comme ça dans le kit. Il y en a 4 comme ça dans le kit. Et le dernier produit qui est dans ce même kit, c'est un bandeau à scratch. J'adore les bandeaux à scratch. Voilà, le voilà. Donc voilà, ce kit vraiment qui est super. Donc, je vous les ai ressortis, mes produits avec lesquels je retire les huiles. Parce que vraiment, comme dit, maintenant, il est rare que j'y aille à grande eau. Je préfère vraiment y aller avec une lingette, entre guillemets, humidifiée à l'eau tiède, voire un petit peu chaude. Voilà. Et c'est très doux et c'est tellement agréable. Je le laisse poser sur les yeux et c'est tellement agréable. Donc, pour revenir à l'inventant des huiles, donc Take the Day Off, qui est franchement, ce produit est connu au niveau mondial.
extraordinaire, huile de cartame. Le prochain produit, ah là là. Je ne vous les montre pas par mon ordre de préférence, parce que si ça avait été le cas, ce produit serait en tête du pompon de tout. Donc ce produit, le voici. Les plus fidèles d'entre vous savent que je suis tombée infiniment amoureuse de ce produit dès la première fois que je l'ai utilisé. Il s'agit du Amazing Face Moringa Cleansing Balm de Emma Hardy, qui est une marque anglaise. Ce produit, les filles, est extraordinaire. Mais l'odeur, donc comme l'indique son nom, l'ingrédient principal c'est l'huile de moringa. Et la particularité de ce produit, outre le fait qu'il démaquille parfaitement, c'est le cas pour tous les produits que je vous présente. Sauf un, il y a un bémol pour un d'entre eux, mais c'est pas vraiment un bémol, je vais le détailler dans un instant. Mais je vais le dire pour tous, ils démaquillent tous extraordinairement. Rien ne reste, vraiment rien ne reste. Donc moi je fais tout le temps un double cleansing, mais vraiment c'est par acquis de conscience. C'est vraiment par acquis de conscience. Donc je fais un double cleansing avec un de mes nettoyants, vous allez voir, dans ma routine du soir qui arrive bientôt. Mais franchement les filles, il se suffit à lui-même, ils se suffisent à eux-mêmes. La particularité de ce produit, outre son excellence absolue, c'est qu'il est également efficace à poser en masque. Parce que l'huile de moringa a des bienfaits vraiment hydratants, nourrissants, etc. C'est un produit précieux. J'adore ce produit. Honnêtement, il est un petit peu cher. Je préfère vous dire la vérité. Mais moi, je l'attrape sur Fil Unique et Look Fantastic. Les deux sites distribuent cette marque. Il est vraiment extraordinaire, extraordinaire. Je poursuis. Je vais choisir devant moi, là. Je vais prendre celui-ci dont je vous ai déjà parlé, qui est extraordinaire, que la marque m'avait envoyé, que j'ai racheté depuis. Il s'agit du Advanced Night Micro Cleansing Balm de Estée Lauder, qui est extraordinaire. Donc ça, c'est mon deuxième pot. Celui-ci, je l'ai acheté, il est vraiment génial. Donc là encore, il est question d'huile de cartame, d'huile essentielle de lavande et de camomille. Et alors franchement les filles, l'efficacité de ce produit, là je me vois dans le retour caméra une fois de plus. Je vous en ai parlé dans ma vidéo, je vous en ai parlé pardon sur Snapchat. Non, je ne suis pas blonde. Ce sont les lumières qui donnent cet effet. J'ai certes éclairci l'ambition, mais je suis pas du tout blonde, c'est vraiment la caméra qui me donne, et les lumières qui me donnent cet effet. Donc voilà pour le petit aparté terminé. Voilà pour le Estée Lauder. Je poursuis avec ce produit extraordinaire de chez Biotherm. Donc il s'appelle Total Renew Balm Biosource de Biotherm. Baume en huile, démaquillant et nettoyant profond. Visage et yeux et maquillage waterproof anti-pollution. Et alors ici la magie opère grâce au beurre de karité. Ah là là les filles. Donc il est très... L'odeur est à peine présente mais efficace. Ce produit est génial. Biotherm, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque dont le mari même est fan. Leurs eaux parfumées là, qui sont les eaux fraîches, que sais-je, extraordinaires. J'ai toutes les couleurs, je les adore. Je vous en parlerai un jour si vous voulez, mais ce baume démaquillant est génial. Il est vraiment, vraiment génial. Donc comme l'indique son nom, je pense que c'est également, enfin, de mon expérience, en plus de démaquiller, il nettoie vraiment profondément. Je pense que les pores vraiment sont libérés de toute obstruction de justice. Ah, bref. Mais franchement, quand je passe après avec mon cleanser, avec ma Clarisonic ou avec une de mes brosses de nettoyage, vous verrez dans ma routine du soir, c'est quasiment impeccable. Il y a quasiment plus rien du tout. Parce qu'il remplit vraiment efficacement son office. Ce produit est génial. Donc franchement, Biotherm, big up à vous. Il est vraiment, vraiment super. Donc je poursuis avec un autre produit qui, là encore, opère par la magie du beurre de karité. C'est un produit que j'adore. C'est un produit que toi, ma chère Lulu, tu m'as recommandé et je l'adore. Franchement, tu avais raison à 100%. C'est un produit d'une marque coréenne qui s'appelle Amish. Et voici le produit en question. Donc c'est le All Clean Balm de Amish. Je vous mets tous les liens de tous les produits que je cite, comme d'habitude, dans cette vidéo sur le blog et en barre d'infos. Et alors les filles, comment vous dire? Donc la petite cuillère qui va bien, les coréens, tu vois, l'hygiène et tout ça, ils sont au top. Je vais pas nécessairement l'ouvrir parce qu'il est plus liquide que les autres, mais voilà. C'est un baume huile, tout simplement. Beurre de karité, il est extraordinaire. Et alors, Clean and Comfortable Beauty Intensive Cleansing Ball, c'est réel. Il nettoie vraiment à fond. Tout le maquillage disparaît, les filles. Moi, je vais vous montrer dans un instant que quelquefois, je démaquille mes yeux au préalable. Mais il est rare que je le fasse. Franchement, quelle que soit vraiment l'ampleur du maquillage que j'ai posé sur mes yeux, il est rare que je prenne vraiment un produit pour les maquiller avant de me démaquiller. Mes baumes démaquillants font le job extraordinairement. Le All Clean Balm de Amish est vraiment, vraiment extraordinaire. Extraordinaire, vraiment. Et très peu cher vraiment pour ce qu'il fait.
Je poursuis avec un autre trésor de la cosmétique asiatique, là encore coréenne. Il s'agit de ce produit extraordinaire de la marque Banila Co, donc qui est une marque coréenne. Il s'appelle Clinique Zero, c'est toute une gamme. Il y a d'autres démaquillants, il y a un soin hydratant. Ils sont déjà passés dans mon existence, il faudrait que je m'y réintéresse, mais honnêtement, lui, je le rachète et je le rachète. Il fait vraiment partie de mes absolus parce qu'il est extraordinaire. Donc, extrait de papaye pour une exfoliation tout en douceur. Extrait d'acérola riche en vitamine C, ce produit est un bonheur, et c'est un bonheur. Donc je ne vais pas vous l'ouvrir parce que là encore la texture, est... il fait chaud là au moment où je vous parle. Donc, ils sont plus liquides que solides, mais ils sont quand même solides, il s'agit de baume. Mais ce produit est extraordinaire les filles. Donc le Clinique Zero de Banila Co qui est vraiment vraiment sublime. J'en arrive presque à la fin de mes baumes. Je vous rappelle ce bébé de chez Pixi que je vous ai présenté lorsque je revenais. J'ai attrapé mes produits Pixi chez Target à New York, n'est-ce pas? Donc le Nourishing Cleansing Balm, extraordinaire. Huile d'amande douce, beurre de cacao. Génialissime, génialissime. Il démaquille extraordinairement. Pixi est distribué chez Asos. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Profitez des discounts qui sont présents chez Asos, n'est-ce pas? Et l'autre produit qui est donc le dernier baume que je vous présente ce soir, c'est encore un produit de chez Pixi, en collaboration avec Caroline Irons. Caroline Irons, pompon Masta dans la dermatologie, voilà, dans le skincare. Donc, double cleanse, d'un côté un baume démaquillant, de l'autre côté une crème nettoyante, un produit vraiment génial. Ici, la magie opère grâce à l'huile de camélia. Ce produit est vraiment génial. La gamme Pixi Skincare de manière générale, enfin la gamme Pixi tout court, hein, la marque tout court. Hein. Mais franchement, un produit vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, je poursuis en essayant de parler par-dessus la scie circulaire qui continue de travailler chez le voisin, n'est-ce pas? Je continue avec mes huiles. Alors là, je vais vraiment y aller par ordre de préférence. Mais sachez que je les aime toutes, je vous les présente, donc je les aime toutes. Mon chouchou absolu et les plus fidèles d'entre vous savent, connaissent mon attachement à ce produit. Il s'agit de ce produit de chez Kumano Cosmetics, donc la Pharma Act Deep Cleanse. Cleansing oil, donc extraordinaire, huile de jojoba et squalane. Le squalane, qui est squalane végétal, évidemment, on ne tue plus les requins pour prélever le squalane. Squalane végétal, la particularité du squalane, c'est qu'il a une structure moléculaire qui est quasi identique aux lipides de la peau, de notre peau à nous. Donc c'est extrêmement intéressant pour retenir l'hydratation dans les cellules. Franchement les filles, cette huile est le top du pompon de tout. Et elle coûte moins de 10 euros. C'est un truc de fou. L'information qu'il ne faut pas louper, c'est qu'elle contient des produits qui ont suscité des réactions dans le monde entier. C'est un produit japonais, Kumano. Et les japonais sont très très à l'écoute comme ça. Ils ont sorti la même, c'est la même, mais sans additifs. Donc elle démaquille tout aussi bien. Elle est un tout petit peu moins épaisse. Elle ne sent strictement rien. Là où celle-ci n'a pas un parfum, parce que ces produits ne contiennent évidemment ni parfum ni alcool, évidemment. Elle ne contient pas de parfum, mais elle a une odeur comme ça très agréable. Celle-ci est strictement dénuée d'odeur. Donc en fonction de vos convictions d'une part et en fonction de la sensibilité de votre peau, honnêtement, elle démaquille pareil, mais moi, à l'utilisation, sous le doigt, je préfère celle-là. Je préfère tellement celle-là. Elle est extraordinaire. Cette huile de chez Kumano est extraordinaire. Je ne sais pas comment vous dire, donc pas d'odeur, pas de colorant et pas d'additif. Voilà, c'est ce qui a été retiré d'elle pour parvenir à elle. Les deux sont extraordinairement efficaces. Extraordinairement efficaces. Je fais tout tomber, évidemment, mais vraiment extraordinaire. Une autre huile vraiment géniale. Vraiment géniale. Et alors, pour mes huiles, je fais pareil qu'avec mes baumes. Je mets une pompe ou deux dans le creux de la main. Je répartis sur mes mains propres, évidemment. J'ai les cheveux bien attachés. Et j'y vais sur la totalité du visage. Donc, je commence par le teint. Je poursuis avec les yeux et je termine avec la bouche. Et après j'y vais avec mes gloves, etc. Donc l'autre huile extraordinaire que j'adore, c'est une marque prestigieuse. C'est une marque dont je vous ai parlé à l'occasion de ma routine soin du jour. Je vous en reparlerai à l'occasion de ma routine soin du soir. La marque en question c'est Wamisa et voici leur huile. Elle est extraordinaire, donc Organic Flowers Cleansing Oil. Là encore, de la même manière que le toner dont je vous avais parlé dans ma routine soin du jour, il est question de fermentation naturelle. Donc ce produit est organique, donc bio à 99,8%. Extraordinaire. Ce produit, les filles, est très précieux. Donc certes, de tous mes produits asiatiques, la gamme Wamisa est parmi les plus chers, mais ce produit est tellement précieux. Imaginez-vous, huile d'argan, huile de jojoba, huile de noisette, huile de camélia, enfin, que demande le peuple? Ce produit est extraordinaire, elle est extraordinaire. Il y a un tout petit défaut dans la pompe, donc je fais attention, là par exemple, tu vois,
J'en ai un petit peu sur les mains, mais bon, dans ma salle de bain, je la touche en général pas. Il suffit que j'aille pomper une ou deux pompes et puis c'est bon. Démaquillage parfait, la perfection absolue. Donc voilà pour mon Organic Flowers Cleansing Oil de Wamisa. Je poursuis avec une autre huile qui est là encore d'une marque que vous connaissez, que vous ne connaissez que trop bien si vous fréquentez assidûment les vidéos des Bibi. Il s'agit d'Adalabo et donc il s'agit de l'huile démaquillante qui appartient à la gamme Gokogyun. Je ne sais pas très bien le prononcer, vous savez, mais Gokogyun, vous savez, c'est la fameuse gamme de produits de chez Roto Adalabo. Dont est issu mon fameux toner que j'adore. Le toner que vous êtes extrêmement nombreuses à avoir acheté, à utiliser et à me dire, mais Sabrina, mais où était ma vie avant quoi? Effectivement, ce sont des produits extraordinaires. Donc, ce produit fait partie de la gamme Gokugyun de Adalabo et cette huile démaquillante est extraordinaire. Pour ce produit, on est sur un alliage d'huile d'olive et d'huile de jojoba. J'effleure à peine mon visage et tout disparaît et j'adore ce moment. Franchement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne vais jamais, strictement jamais, me coucher avec mon maquillage sur le visage. C'est que j'adore cette étape du démaquillage. J'adore cette routine du soir. Je l'adore vraiment. Vous verrez plus en détail dans la vidéo qui arrivera, je pense, à la rentrée. Mais alors, les filles, ce produit est extraordinaire, extraordinaire. Un autre produit, une autre huile. Que franchement qui gagne et qui mérite à être connu. C'est un produit qui est relativement onéreux mais qui le vaut vraiment. C'est ce produit de chez Kiehl's. Vous êtes certains d'entre vous me disent, ah Sabrina, tu parles jamais de Kiehl's. Si si, j'en parle. Je vous renvoie à mes vidéos, j'en parle notamment pour le soin du contour de l'œil. Je vous en reparlerai très très bientôt. Mais ce produit de chez Kiehl's, donc franchement qui est extraordinaire, donc qui s'appelle Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. C'est un produit qui convient à tous les types de peaux, ceux incluant les peaux sensibles, nonobstant la présence d'huile essentielle de lavande. C'est un produit qui contient là encore du squalane, de l'huile d'onagre. Ce produit, les filles, est extraordinaire. Donc franchement, Kiehl's, big up. Kiehl's, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est une marque que j'aime beaucoup. Je déplore la rareté des points de vente. Franchement, ils ne sont pas distribués partout. Donc à Caen, chez Sephora, par exemple, tu comprends? Ou Marionneau, ou Nocibé, peu importe. Mais ce produit est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc de chez Kiehl's, le Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. La dernière huile à proprement parler et dont je voulais vous parler, c'est cette huile que je vous avais présentée lors de l'un de mes hauls Target USA. C'est un produit de chez Shea Moisture, dont je vous parle beaucoup pour les cheveux. Là, il est question donc de la Sensitive Skin Facial Cleansing Oil. Donc, huile de date et extrait de camélia. Les filles, ce produit est très très bon pour démaquiller le visage, mais ne le mettez jamais dans les yeux. Sans quoi, vous allez vraiment amèrement le regretter. Ça brûle. Donc c'est dommage, à cause de ça, franchement, à cause du fait qu'il faille l'utiliser vraiment en évitant la zone de l'œil, c'est un produit que j'utilise au moins, vous voyez là ça fait quelques mois maintenant que je l'ai à peine entamé, je l'ai utilisé quelques fois. C'est dommage parce que c'est un produit super clean chez Moisture, vous savez, donc no sulfate, no parabens, no phtalate, no propylène glycol, no mineral oil, no animal testing, voilà le produit est extraordinaire. Mais franchement il est incompatible avec le démaquillage des yeux. Et je pense pas du tout avoir les yeux très très sensibles, pas du tout. Aucun de mes autres produits de maquillage ne me provoque une réaction au niveau de mes yeux. Mais alors là, franchement, les filles, c'est dommage. Je mettais tellement d'espoir, je plaçais tellement d'espoir à ce produit commerce équitable et tout. Enfin, bon, pour le teint, franchement, je vais pas lui retirer tout son mérite. Pour le teint, elle est top, elle est top. Mais alors, je l'utilise quand j'utilise ce produit. Auquel je faisais référence tout à l'heure. C'est un produit de chez SVR, je vous l'ai déjà présenté sur le blog comme étant le meilleur démaquillant yeux de tous les temps. Je n'ai pas changé d'avis, pas encore. Et pourtant ce poste a quelques mois, vraiment quelques mois. C'est un produit que j'adore pour me démaquiller les yeux, c'est le meilleur. J'en ai utilisé plein d'autres depuis, il est vraiment le meilleur. Donc le Sensi Fine démaquillant yeux de chez SVR, je l'ai micellaire yeux ultra apaisante. 0% d'alcool, de parfum, de silicone, de parabène. Enfin, le produit extraordinaire par excellence, SVR, qui est une marque que j'aime beaucoup. Je vous renvoie ma vidéo sur les produits solaires, si vous ne l'avez pas vu. Ce produit qui est vraiment génial. Et alors, pareil, je le pose sur un coton. Un de mes cotons, là, je vous les ai attrapés pour vous les montrer. Donc, vous savez, si vous êtes fidèle à mes vidéos, que je suis très particulière avec le coton. Hashtag relou. Je suis très particulière avec le coton, je ne peux pas utiliser n'importe quel coton. Mes cotons absolus, ce sont vraiment les cotons japonais. Au premier rang desquels, les cotons de chez Muji. Donc n'importe qui peut acheter n'importe où en France. Si vous n'avez pas de magasin Muji près de chez vous, il est possible de commander en ligne. Mais un autre coton que j'adore, qui est là encore un coton japonais, c'est ces cotons extraordinaires qui sont des cotons bio.
que j'achète sur Amazon, donc 100% organique, 100% bio. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais ils sont très légèrement colorés parce que le coton, pour qu'il soit blanc, subit des traitements chimiques. Naturellement, le coton n'est pas blanc. Donc ces cotons 100% bio ont la vraie couleur qu'a le vrai coton dans la nature, n'est-ce pas? Ils sont extraordinaires. Donc franchement, là, je vous ai sorti des paquets tout neufs pour vous les montrer, mais... Je vous en sors un là pour vous montrer. Il y a cette espèce de magie, on peut les dédoubler facilement pour laisser poser des soins par exemple. Ils n'absorbent pas la totalité du produit que je mets dessus. Ils sont vraiment extraordinaires. Les filles, je ne sais pas si vous parvenez à les distinguer là. Et on peut les dédoubler, ils n'absorbent pas le produit, ils sont très doux, ils sont extraordinaires. Donc hop, je mets mon démaquillant yeux sur mon coton. Là c'est les cotons pour les yeux, là c'est les cotons pour le visage plus grand. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, je m'en débarrasse nonchalamment. Mais alors, je mets quelques gouttes de ma gelée, c'est une gelée vraiment, hein, c'est une gelée micellaire, quelques gouttes sur mon coton et je le pose sur l'œil. Je le laisse quelques secondes, une 30-40 secondes, une trentaine de secondes et après je retire. Il est presque pas nécessaire de faire des mouvements de va-et-vient parce que les filles, tout disparaît. Le waterproof, le smoky eye, le que ceci, le que voilà, la colle de mes fossiles. Ce produit est extraordinaire, franchement. Avec mes cotons, c'est impeccable. Quand je me démaquille avec lui, là j'utilise cette huile. Parce que pour le teint, je l'ai dit, elle est extraordinaire. Je prends garde à ne pas m'en mettre dans les yeux. Donc voilà pour mes huiles démaquillantes. Un autre produit que j'aime beaucoup, dont je vous avais également parlé ici sur ma chaîne, c'est le Total Renew Oil Biosource. Donc il fait partie de la même famille que lui. C'est à cause d'elle que j'ai eu le plaisir de découvrir lui. Et alors les filles, ce produit est extraordinaire. Je vous l'ai dit, c'est la seule huile de démaquillage qui se transforme en mousse. Mais en mousse, donc c'est mon démaquillage à l'huile et mon double cleanse, le tout en un seul produit. Lui, pour voyager, il est extraordinaire. Donc, Total Renew Oil, huile auto-moussante, démaquille et purifie. Donc, autant vous dire les filles que c'est le pompon sur tout type de peau, génial. Ce incluant pour le maquillage des yeux. Ce produit est vraiment, vraiment génial. Donc, voilà vraiment l'essentiel de mon arsenal de démaquillage. Je me démaquille vraiment à l'huile, sous forme de baume ou sous forme d'huile. Mais vraiment, c'est mon démaquillage de prédilection. Maintenant, il est des circonstances dans lesquelles ma peau est très irritée. Soit parce que je fais une mauvaise réaction à quelque chose que j'ai mangé, soit parce que je fais une mauvaise réaction à un des milliards de produits que je teste. Ça arrive, les filles. La plupart, maintenant, avec le soin absolument méticuleux que j'accorde à ma peau, il est rare que je fasse des boutons. Les deux trucs qui me donnent vraiment des boutons, ce sont, hormis la féminité, n'est-ce pas, ce sont les aliments. Le lait, le sucre, enfin les aliments gras, etc. qui me donnent des boutons. Et tous les produits que je teste, qu'il s'agisse de maquillage ou de soins. Donc quand vraiment je suis dans une période où vraiment je minimise au minimum possible le maquillage et que j'essaie de prendre vraiment le plus grand soin possible de ma peau, j'aime bien me démaquiller avec du lait. Et le seul qui me correspond, c'est vraiment ce produit de chez Vichy. Qui est donc le Pureté Thermale 3 en 1. Démaquillant intégral peau sensible. Donc 3 en 1, lait, lotion et démaquillant yeux. Peau et yeux sensibles sans parabènes. Ce produit est génial. Je le pose, lui, les filles, au doigt. Il est inutile de mettre volé démaquillant sur les cotons. Les cotons vont l'absorber. Je le pose au doigt, tout comme une huile ou tout comme un de mes baumes. Je le pose au doigt, tout simplement. J'en prélève une généreuse quantité. Je le masse sur la totalité du visage, ce incluant les yeux. Et après, je vais revenir avec un de mes cotons, là, pour le coup, un de mes cotons très doucement. Je vais retirer le tout et après je vais le rincer à grande eau et nettoyer avec un de mes savons propres. Mon savon de Marseille ou mon savon d'Alep, un de mes savons naturels. Et voilà, je vais poser mes soins et je suis tranquille. Et en quelques jours, c'est une histoire réglée. Il est vraiment génial. Il est très très bon pour démaquiller. Il pourrait me convenir pour la vie de tous les jours. C'est de l'eau thermale de Vichy. L'efficacité des produits Vichy n'est plus à démontrer. Mais c'est vraiment que j'aime beaucoup me démaquiller à l'huile. Donc c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas de lait la plupart du temps. Mais voilà tout pour mes produits de démaquillage. Une petite précision. Je suis amenée, vous le savez, à crapahuter partout dans le monde. Quand je pars pour un petit week-end, 2-3 jours, et que j'ai pas forcément envie de prendre un de mes produits, parce que mes huiles, lorsqu'elles sont neuves, c'est le cas de celle-ci que je vous ai sortie, parce que l'autre est en fin de vie, c'était même pas la peine de vous la montrer, mais je l'ai gardée également pour vous montrer que lorsqu'elles sont livrées, elles arrivent avec ce petit truc-là. Un petit opercule, je ne sais pas comment le décrire, qui permet d'empêcher à la pompe de pomper, tout simplement. Sauf que Bibi les jette, évidemment. Je les jette parce que rien ne me traîne. J'essaie de me dire, garde-le, mais j'oublie à chaque fois, je jette. La plupart de mes huiles n'ont plus ce bouclier anti-effusion, n'est-ce pas? Donc, j'essaie de ne pas les prendre avec moi. Les baumes sont bons dans les périodes froides, mais dès que les températures commencent à se réchauffer, comme en ce moment, c'est un petit peu plus délicat. Je me suis trouvé, les filles, un kit extraordinaire. Là encore, d'une marque coréenne dont je vous ai parlé à de multiples reprises, il s'agit de La Neige.
La neige, c'est une marque dont je vous ai parlé pour le Lip Sleeping Mask qui est extraordinaire. Je vous en ai parlé dans ma vidéo routine du jour. Je vais vous en reparler bientôt dans ma routine du soir. Les filles, ils ont des produits vraiment, vraiment extraordinaires. Je me suis dégotée ce petit kit. J'avais très envie d'essayer. En fait, la manière dont j'ai découvert ce kit, c'est que j'essayais d'acheter leur huile démaquillante. Et alors, j'ai trouvé ce kit super. Donc, qui est composé. Je vous l'ai laissé là pour que vous le voyiez. Mais c'est un kit que je prends strictement quand je voyage. Et alors, les filles, génial. Donc il est composé de trois petits produits superbes. Ce premier produit qui est le Speedy and Safe Lip and Eye Remover Waterproof. Donc pour les lèvres et les yeux, le maquillage waterproof. Donc vous le voyez, c'est un produit biphasé là qui est extraordinaire. Ensuite ce produit qui est The Oil, donc qui s'appelle Fresh Brightening Cleansing Oil de la neige. Et ce dernier produit, en fait c'est une mini routine extraordinaire. Donc, multi-cleanser qui est donc le nettoyant moussant pour le visage. Les filles, ce kit est extraordinaire. Donc, évidemment, c'est la deuxième ou la troisième fois que je le rachète. Je pense que ça fait trois fois que je le rachète. Là, la prochaine étape, c'est les full size. Donc, je vais essayer d'utiliser un petit peu ce que j'ai à la maison parce que vous voyez que j'ai pas mal de choses. Mais franchement, mon prochain achat, c'est eux en full size. Donc voilà pour l'aspect traveling. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez piocher quelques astuces. Voilà, vraiment les filles, je n'insisterai jamais suffisamment sur la nécessité absolue de se démaquiller très méticuleusement le soir. Et c'est encore complètement antinomique. Si tu mets de l'argent et du soin à choisir à acheter tes produits, à te constituer toute une routine, à acheter des produits de make-up propres, performants, etc. Que tu prends grand soin de ta peau, que tu fais attention à ce que tu manges, que tu as une hygiène de vie relativement équilibrée et que tu te démaquilles pas, je sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est un gâchis pur quoi. Donc ne te dis pas bon, une fois de temps en temps, non. L'obstruction des pores, une fois suffit. Et franchement, si vous le faites, est-ce que vous vous levez pas le matin avec des boutons partout là? Donc les filles, on essaie de lutter contre les imperfections, n'allez pas vous-même vous les créer. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'arrête de vous harceler. Je vous embrasse très fort. Mouah ! Prenez bien soin de vous. Le détail de ce make-up se trouve en barre d'infos de cette vidéo et sur le blog comme à l'accoutumée. Je vous retrouve très très bientôt avec grand bonheur. Bye !Salut les filles, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec l'épisode 2 de mon Q&A Snapchat. On passe tout de suite à vos questions, avec une question, ah de Kevin, ah, alors, ah Bogan, que penses-tu des phénomènes Hello Body et compagnie, bisous. Kevin, Braga, je suis trop contente de voir ta bobine. Donc Kevin Wonderland qui est un brother, OG brother, je te remercie infiniment pour ta fidélité Kevin et merci pour ta question. Ah, je suis trop contente de t'avoir vu. Non parce que vous me voyez là tous les dimanches, moi je vous vois pas. Ah, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye.